Aujourd'hui, la DG Agri, consciente des limites du greening précédent, propose, dans les nouvelles propositions législatives qui ont été posées sur la table, de transférer les enjeux de ce verdissement derrière dans deux choses. Un renforcement des conditionnalités, d'une part, et un éco-scheme. Et aujourd'hui, il est mentionné à l'article 28 des propositions législatives. Il laisse un certain nombre de questions ouvertes qui nous semblent extrêmement importantes. Qu'est-ce qui va pouvoir être rémunéré? Et derrière le qu'est-ce qui va pouvoir être rémunéré se posent deux sous-questions finalement. Qu'est-ce qui va pouvoir être rémunéré? C'est-à-dire, est-ce qu'on va compenser des surcoûts dans une logique proche de ce qui est aujourd'hui dans les mesures agro-environnementales et climatiques? Ou est-ce qu'on va pouvoir effectivement rémunérer un service écosystémique, un service environnemental? Si c'est la première solution qui est choisie, on compense des surcoûts, eh bien un certain nombre de pratiques agronomiques ne rentreront de fait pas dans l'éco-scheme. Aujourd'hui, un agriculteur qui a des haies, qui a des prairies permanentes, dont l'importance en termes de biodiversité, mais aussi de cycle de fertilité, sont reconnues, eh bien, il peut se trouver dans l'impossibilité de faire financer ou de faire rémunérer l'existence de ces infrastructures agroécologiques sur son territoire, puisqu'elles ne reprennent pas de surcoûts. Elles sont déjà là. Le fait de les conserver ne reprend pas de surcoûts et donc n'est pas éligible à cet éco-scheme si c'est comme ça qu'il était défini. Ou bien est-ce qu'on veut aller vers un éco-scheme qui rémunère effectivement des services écosystémiques, des aménités environnementales et sociales. Dans ce cas-là, on a un vaste champ de possibilités qui s'ouvre pour effectivement favoriser, inciter les agriculteurs à aller vers des pratiques et des services pour la société et pour l'environnement, mais ça pose la question de la compatibilité de cet éco-scheme, s'il était défini ainsi, avec les règles commerciales actuelles, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, dans le cadre de l'OMC, dans la boîte verte qu'on appelle, de rémunérer des actes de production, de coupler la rémunération à la production.